La pénurie de prêtres, les fusions des paroisses et les prêtres venant de l'étranger sont tous des signes des changements qui s'opèrent dans la religion catholique au Québec. Dans les prochaines minutes, nous vous dresserons un portrait de ce qu'est la religion en 2011. On peut dire qu'il y a une pénurie, ça c'est clair. Ça fait quand même un certain nombre d'années que ça va en diminuant le nombre de prêtres. Si on regarde, disons, au niveau de la ville de Magog, actuellement, il y a 4 prêtres qui travaillent au niveau des paroisses. Il y a 4 paroisses actuellement à Magog. Pour l'ensemble de la région de Sherbrooke, qui est l'archidiocèse, pour nous, au niveau de l'Église, on a 167 prêtres encore, mais je dirais qu'il y a plus que la moitié de deux qui sont retraités, puisque la moyenne d'âge est de 69 ans actuellement. Là, avec, Justement, cette moyenne d'âge-là, est-ce que c'est inquiétant un peu? Oui, c'est bien clair, parce que c'est une moyenne d'âge qui va toujours en augmentant depuis un certain nombre d'années et qui nous inquiète forcément parce que le nombre d'ordinations que l'on a depuis déjà peut-être 20-25 ans est très bas et il va toujours un peu en diminuant. Alors, c'est sûr que ça oblige à repenser un peu l'organisation de l'Église et même le travail des prêtres aussi là, en fonction de ça. La pénurie de prêtres qui sévit un peu partout au Québec, est-ce que c'est quelque chose qui est inquiétant? C'est inquiétant, mais ça ne l'est pas. Moi, je pense qu'on s'en va tranquillement vers un nouveau modèle d'Église. Autrefois, l'Église reposait sur les prêtres. Aujourd'hui, elle repose davantage sur les croyants. Bien, je pense que c'est bénéfique pour tout être humain de réaliser qu'il y a un côté qui le dépasse. Il y a un aspect de lui qui n'est pas ni physique, ni matériel, ni intellectuel. Donc, oui, ce serait une bonne chose que l'être humain réalise ça. Maintenant, est-ce que c'est forcément dans l'Église catholique? Je ne suis pas sûr. Mais actuellement, encore une fois, ce qui se passe, c'est qu'on n'en parle plus du tout. Donc, n'importe qui, n'importe quoi vient remplacer ça. Et là, le problème que moi, je vois, en tout cas, c'est que n'importe quelle religion, ou n'importe quelle croyance, ou n'importe quelle... illusionniste, on va dire, peut venir et prendre la place. C'est qu'on a laissé une place, on la laisse vacante actuellement, et d'une façon officielle, il n'y a rien qui la remplace. L'Église catholique n'est pas organisée pour la remplacer efficacement actuellement. Il faut qu'elle s'organise, il faut qu'elle devienne quelque chose qui parle pour les jeunes, qui parle aux gens en général. Si on recule, il y a 60 ans, les familles étaient très nombreuses, même dans mon environnement. Il y avait une famille qui avait 22 enfants. Même chez moi, nous étions 12. Et aujourd'hui, la moyenne des familles, c'est 2 enfants. Fait que c'est sûr que si on fait l'équation, c'est pas le même bassin. Puis les prêtres, on n'a pas la même quantité de prêtres qu'il y a 50 ou 60 ans. Là. Puis il devient pas prêtre qui veut. Là. Quelqu'un qui est appelé, c'est Dieu qui l'appelle, qui l'a choisi, qui l'appelle à devenir prêtre. C'est ça qui fait que la personne qui a reçu cet appel, elle doit être dans un milieu qui a une grande valeur chrétienne dans la famille. Puis Dieu, dans cette famille-là, doit occuper la première place. Parce qu'on ne peut pas aimer une personne qu'on ne connaît pas. Il faut que l'enfant ait été enseigné et qu'il ait développé, là, en fin de compte, c'est son amour pour Dieu. C'est ça qui fait qu'il peut être prêtre. Dans le diocèse, depuis une quinzaine d'années, on a eu une vingtaine d'ordinations. Mais là-dessus, il y en a 13 qui sont consacrés à la famille Marie-Jeunesse, donc qui vont œuvrer pas juste dans le diocèse, mais ailleurs aussi auprès des jeunes. Ce qui nous laisse un nombre d'environ 7, ce qui est quand même, je dirais, relativement bon, et on a eu quand même des candidats assez jeunes. On est un des diocèses qui a eu le plus grand nombre d'ordinations depuis les dernières années. Ce qui fait que, quand on regarde la situation dans notre diocèse, on est quand même une position assez enviable, mais c'est vraiment tenant compte de la réalité actuelle. Là. Pourquoi vous pensez que les jeunes sont moins portés à aller vers les vocations de prêtres ou même moins vers la religion catholique? Bien, je pense que c'est le fait que maintenant la religion ne fait plus partie vraiment de notre paysage.
ou très peu. Je parle à l'école, bien entendu. Donc, même ceux qui auraient pu être intéressés ou ceux qui auraient pu être attirés par, par curiosité ou juste pour savoir ce que c'est, maintenant ne le sont pas parce que ça ne fait plus partie de ce qu'ils voient tous les jours. Le fait que dans les écoles, on se soit un peu détaché de la religion catholique pour aller vers l'ensemble des religions du monde, est-ce que vous pensez que ça a un lien un peu avec l'impopularité de la religion catholique chez les jeunes? Moi, ce que je déplore dans cet enseignement-là, c'est qu'on présente Jésus comme les autres prophètes. On ne présente pas Jésus comme un être qui avait la vie divine et la vie humaine. Les autres prophètes n'ont pas la vie divine. Jésus a été envoyé par Dieu sur la terre pour venir nous sauver, en fin de compte. Puis, dans ce cours-là, on ne présente pas du tout de cette façon-là Jésus. Fait que c'est ça. C'est comme... Moi, je considère que c'est une... c'est de manquer de respect à la religion catholique, la religion chrétienne, parce qu'on présente faussement aux enfants Jésus. Je pense que c'est à la sortie de l'école parce que la religion était moins populaire. C'est plutôt ça. Maintenant, moi, je vais vous donner mon idée très franchement. Je suis content. Je suis content que ce soit sorti des écoles parce que nous, ici, on a de la catéchèse dans la paroisse. On a, cette année, on a, l'an passé, on avait 200 jeunes qui suivaient des cours. Cette année, on en a 175 qui viennent ici. Puis les parents veulent vraiment que leur enfant ait de la catéchèse. Alors qu'à l'école, aujourd'hui, c'est un ensemble. Bon, moi, je ne suis pas contre ça nécessairement, là, donner des connaissances sur les différentes religions du monde. Mais quand il s'agit de catéchèse, il me semble que ça appartient à la communauté croyante, à la communauté chrétienne, de former les enfants, de former des croyants. Ça n'appartient pas à l'école. Alors moi, dans le fond, je suis content que la religion soit sortie de l'école. Ça va peut-être surprendre beaucoup de personnes de m'entendre dire ça, mais c'est ce que je pense sincèrement. Moi, je pense que c'est une très bonne chose, en fait, qu'on enseigne toutes les religions. Je pense que là où on s'est un peu trompé, ou en tout cas où on a été un peu vite, c'est en enlevant complètement les cours d'enseignement religieux catholique. Parce que, tu sais, la religion catholique, ça fait quand même partie de notre histoire, ça fait quand même partie de notre identité. C'est ce qui nous a encadrés pendant plusieurs années. Donc, un cours qui expliquait c'est quoi la religion catholique, sans que ce soit un cours qui endoctrine, je pense que c'était bon. Bien, je pense que l'Église catholique va être obligée de s'adapter, comme je te l'ai dit tantôt. Je pense qu'il va falloir que l'Église fasse de plus en plus de place aux laïcs, aux non-religieux. Que les laïcs prennent une place plus importante, prennent des responsabilités plus importantes, notamment les femmes, pour que ça devienne une réalité qui est plus intégrée dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est une chose qu'il va falloir que l'Église fasse. Je pense, ça c'est mon opinion personnelle. Il va falloir aussi, je pense, que l'Église catholique, que le magistère, que la religion elle-même, si tu veux, se décentralise un peu. Alors qu'il y ait une personne ou disons, un gouvernement mondial qui est à Rome, qui prend les décisions généralement pour toute la Terre en même temps, c'est un peu voué à l'échec parce qu'on n'a pas tous la même réalité et on n'a pas tous le même vécu. Encore là, je vais être très sincère avec vous. Là. Moi, ce n'est pas la religion qu'il faut sauver au Québec. C'est pas l'Église qu'il faut sauver au Québec, c'est l'Évangile, c'est le message de Jésus, c'est le message d'amour que Jésus a donné au monde, et ça, il ne faut jamais perdre ça, parce qu'autrement, le monde s'en va à la catastrophe. Tandis que si on sauve le message de Jésus, si on apprend à s'aimer entre nous, à se pardonner, à faire, au fond, tout ce que Jésus nous a demandé, on vivra dans un monde pas mal plus beau, puis pas mal meilleur que celui dans lequel on est présentement. L'adaptation à une nouvelle approche de la spiritualité semble être la clé pour la religion chrétienne. Reste à voir si les prochaines générations seront de cet avis.